Yeah, he is a lovely person. He has done a lot of work personally for me. He is very, very, what do you say? I cannot thank him enough for all that he has done for this conference. And thank you so much, Abel. I'd just like to introduce you. Abel, is that okay? Okay. Thank you. I need 2 minutes. I need 2 minutes because we are preparing the live streaming. Yes, Anne, tell me. I just want to take use of this short moment to ask you where you live, Nepal or India? Nepal. Yeah, I think it's Nepal, but I need to you confirm it. Okay. I live in Nepal. I grew up in the ashram here itself. I came here when I was 4 years old. And since then, I'm living here. I just went out for my studies, but I'm back again here. I'm working here, learning here, doing everything possible in my own way. Yeah, okay. I quite agree with you. Okay. We have... Okay, just to mention, the song that I sang, Uchu Nomungen, at the beginning was taught by Abel Milo, because he's also a musician. He has published CDs of sacred songs. He travels around the world, also playing music, helping people with music, therapy, and so on. So, okay, we have time for introduction. I will tell that in his introduction. So Abel Milo is from France. He's a pedagogue, teacher, trainer, writer, and artist. He has recently written a book, Ramchandra, The Child of Himalayas. That is, I think, if you want to read about Ramchandra Dasji, the founder of this organization, that is available in French. Soon it will be translated in English. So I'll just send you a brief blurb of the book as soon as it comes in English, so that you can also decide whether you want to read it or go through it. So Abel is founder of Orama, Sacred Songs of the World, author, composer, performer. He's also, of course, main part of the IDEC, Web IDEC 2020, as you all know. He fell into a pot of pedagogical portion, if I'm reading it correctly. He taught mathematics and skiing from the age of 12, from board sports to clowning through schools and training of therapists. He's constantly developing an amazing pedagogical creativity, rediscovering and the foundations of universal and integral pedagogy. He tells us that about his 45 years of experience, he has gone through various experiences, so he is here with us. He'll be sharing all those experiences that he has gone through and how we can use them into learning processes and so on. So the title of his talk is Universal Pedagogy. Let's welcome Abel Milo and my friend. Thank you so much. Abel? Thank you, Veda. Thank you. Merci, Veda. La conférence est en français. Je vais parler en français. Elle va être traduite en anglais, and she will be translated in English. Maybe when it's simple, I will translate by myself, but there is Dion here, and Dion, she will help me when translation is too difficult for me, because some words are missing in my English, you know, I can't translate everything. Je ne peux pas tout traduire en anglais. Et donc, Dion, tu es là? Oui, je suis là. Yes, I'm here. OK. So, quand j'aurai besoin, je vais te demander. Of course. Okay. Ok, donc j'attends. Oui, je te le dirai. Tu me demandes. Je dirai Dion. Ok. Au secours. So, I can't see myself here. I can't see myself on the computer. What happens? It's funny. Ah, à ton tour, Abel.
You're right in the middle. No, that's crazy. Oh, just always dark now. What happens? Do you see something? We see you. Oui, oui, on te voit très bien. And for me, it's totally dark. But you are visible to us. Yes. Yes, yes. That's crazy. Abel? Yeah, oui. Ah, okay. Did you shave your beard? Because you look fresh. Yeah, as you were there. Oh, okay, thanks. I was so tired that I have to go to the... this afternoon, I have gone to the bed and I was so tired. So I have gone to the bed and after to the shower. That's why I couldn't sing with my guitar to you because I was in the shower. You know, it was too difficult with the phone and the guitar. Je pouvais pas chanter pour toi cet après-midi parce que j'étais sous la douche. Is your screen still dark? It doesn't happen as usual. You know, I don't see anything, but never mind. Press escape and see. Press ESC, escape. No, if I escape, it will be too difficult. Let's go. Okay. Je ne savais pas quel sujet allait aborder Veda. I didn't know about what Veda will speak. And it's very funny because we were in the same way. Nous étions sur le même chemin. He speaks about this pure intelligence et il a parlé de cette pure intelligence et c'est ce dont je vais parler moi aussi ce soir and it is also what I will speak about, this pure intelligence. In my life, dans ma vie, I was very young, très jeune. I begin to teach. J'ai commencé à enseigner très très jeune. J'ai enseigné les mathématiques, j'ai enseigné le ski, j'ai appris à des enfants à nager, des enfants qui avaient peur de l'eau. I teach ski. You know ski? It's in the snow. I teach mathematics, I teach how to swim to children who was afraid of water. And it was very easy for me to teach. C'était très facile pour moi d'enseigner. La vie m'a fait ce don-là, d'avoir cette facilité. Et j'ai toujours enseigné depuis l'âge de 12 ans. À 15 ans, j'ai commencé à entraîner des jeunes skieurs en compétition. When I was 15, I began to train little child for competition in ski. And all my life, I have teach different things. Et toute ma vie, j'ai enseigné. Et dans ma vie, j'ai jamais suivi le chemin traditionnel. I never followed the traditional way. I was always out of the way. J'étais toujours en dehors du chemin. I didn't know it exists. Je savais pas que ça existait, mais in fact, I have followed the democratic way of learning. J'ai suivi le chemin démocratique d'apprentissage. I have followed my own way to learn a lot of things. J'ai suivi mon propre chemin pour apprendre différentes choses. Quand j'avais 15 ans, when I was 15, my best friend has been killed by I didn't know it would do this. Je ne savais pas que ça ferait ça. Mon meilleur ami, quand j'avais 15 ans, a été tué par un camion. He has been killed by a truck. We were always together. On était toujours ensemble. Il était comme mon véritable frère. He was my really brother. And this experience was very difficult for me. Cette expérience était très difficile pour moi,
pour moi, non pas parce qu'il était mort, not because he was dead, but because of all what happens when he was dead, de tout ce qui est arrivé quand il est mort. Pour sa famille, j'étais comme un enfant de la famille. For his parents, I was like a child of the family. And for me, it was very difficult to see how the parents live this death. Et pour moi, c'était très difficile de voir comment ses parents ont vécu cette mort. Ils se sont beaucoup jugés. Ils se sentaient énormément coupables. Can you say that, Dion? Okay. Yes. Ils se sont beaucoup jugés. Sorry, Abba. Yeah, it was really difficult to live. He was like a child of his best friend's family, and so it was very difficult for him to live how the parents lived this death. And they judged themselves quite a bit over it. They felt really guilty. And il disait, j'aurais jamais dû l'obliger à faire ci, j'aurais jamais dû l'obliger à faire ça, j'aurais jamais dû le pousser à faire ceci, j'aurais jamais dû lui demander cela. So they said, I never should have made him do this, I never should have obliged him to do that, I never should have pushed him to do this thing. So lots of guilt. Et cette expérience, elle m'a poussé. Elle m'a fait décider, en fait, j'ai décidé à cet âge-là que j'allais vivre ma vie plutôt que de vivre celle des autres, quoi. I decided at this time to live my life and not to live the life of the others. I decided to live, to follow my own way and not to follow the way of the others. J'ai décidé de suivre mon chemin et pas celui des autres. It was a decision, you know, c'était une décision. But it was not so easy to do, mais c'était pas facile. Because when I was young, there was a lot of pressure, you know. Il y avait beaucoup de pression. Il faut réussir, il faut gagner de l'argent, il faut avoir un bon métier, you have to succeed, you must win a lot of money, you need to have a good job. So to apply this decision, pour appliquer cette décision, ça n'a pas été simple. Et j'ai dû aller loin dans les études. I have to go through the studies in university to take this way. And yeah, it began like this. I was not in a family with a lot of money. I was living from 20. I was living by myself. À partir de 20 ans, j'ai vécu tout seul. And je devais payer le loyer, acheter à manger. Enfin, bon, voilà, j'étais étudiant, mais je devais me débrouiller. I was a student, but I have to win money, to buy things to eat and to have a roof and so on. So I did not have a car and I was doing a lot of hitchhiking. Je faisais beaucoup de stops. Et je voyageais aussi beaucoup pendant l'été. And I was doing a lot of travel. Et j'ai fait des milliers de kilomètres en stop. And I have done thousands and thousands of kilometers hitchhiking. And I have spent a lot of hours in the doing hitchhiking, you know, waiting for a car. Et j'ai passé beaucoup d'heures, des centaines d'heures à attendre. Sometimes I was staying like this 3 hours, 4 hours, 5 hours, 6 hours waiting for a car. Des fois, j'attendais 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures pour qu'une voiture m'emporte. Et un jour, il m'est venu une idée toute simple. And one day comes to me a simple idea. Si c'est vrai qu'il y a une intelligence, une grande intelligence qui sait tout, qui voit tout, qui entend tout, cette intelligence, elle sait qui peut me prendre à quel moment pour m'emmener à tel endroit rapidement. Can you translate this? So if it's true that there's a great intelligence that knows everything, sees everything, that this intelligence could know at
at what spot somebody could come and take me and bring me to where I want to go. Et du coup, je me suis dit, je vais demander à cette intelligence à quelle heure je dois partir pour aller rapidement de tel endroit à tel endroit. And so I decided to ask this intelligence, at what time should I leave to go from this place to the next? To go quickly. To go quickly from this place to the next, yes. And I decided to take the first idea. J'ai décidé de prendre la première idée. So the first time I have to do 500 kilometers from Grenoble to Paris, and I ask, okay, je devais aller à Paris depuis Grenoble, 550 kilometers, et j'ai demandé, okay, à quelle heure je dois aller faire du stop? And I ask, okay, at what time I have to go hitchhike to go fast from Grenoble to Paris? And it came in my mind 11:15, et il est venu dans ma tête 11h15. Et alors je suis allé à 11h. Parce que je me suis dit des fois qu'ils sont en avance. So I went at 11 because I was thinking maybe it will be in advance, you know. And what happens is at 11:15 the car stopped, and 5 hours later I was in Paris. Et ce qui est arrivé, c'est qu'à 11h15 une voiture s'est arrêtée et 5 heures après j'étais à Paris. And that was incredible for me because I have just to wait the time I begin before, you know. Pour moi, c'était incroyable parce que j'ai juste attendu le temps où j'étais venu en avance. So, when I go back from Paris to Grenoble, I do the same, you know. Quand je suis redescendu de Paris à Grenoble, j'ai fait la même chose. J'ai demandé à quelle heure la voiture allait passer. I ask at what time the car will come. And I came again 10 minutes before, et encore une fois je suis venu 10 minutes avant. C'est marrant parce que je suis toujours allé 10 minutes avant des fois que la voiture soit en avance. So it's very funny because I always came 10 minutes before because maybe the car will be in advance, you know. And at the time I am thinking, à l'heure qui était venue, pouf, a car stopped, and 4 hours and a half later I was in Grenoble. Et 4 heures et demie après, j'étais à Grenoble. Et à partir de là, j'ai toujours fait du stop en demandant comme ça. Et à partir de là, and after this, I always ask the time to go to hitchhiking, to go quickly from here to here, and it always worked. Et ça a toujours marché. Je n'ai plus jamais attendu. And I've never wait, never. But it was very funny. Mais c'était très, très amusant. Parce que comme j'avais fait beaucoup de milliers de kilomètres d'autostop, comme j'avais fait énormément d'années d'autostop, j'avais acquis plein de règles. As I have done a lot of hitchhiking, in my mind, I have learned a lot of rules. You know, you haven't to hitchhike here, tu ne dois pas faire du stop ici, you haven't to hitchhike in this place or in this kind of place, dans cet endroit ou ce genre d'endroit. You haven't to hitchhike at this time, à cette heure-ci. And when I begin to listen, et quand j'ai commencé à écouter, all these rules, they were broken by the life. Toutes ces règles, elles ont été cassées par la vie. Et je me suis retrouvé dans toutes les situations qui normalement ne devaient pas marcher, et ça a toujours fonctionné. And I was always in all the situations that I thought it couldn't work. And listening to this intelligence, it always works, even in the situation that normally it doesn't work. Et pour moi, c'est le début de tout un chemin par rapport à l'apprentissage. Il y a une histoire un peu marrante, mais ce que je vais vous raconter maintenant, j'ai mis 20 ans à le comprendre. What I will tell you now, it took me more than 20 years to understand. It was maybe 4 or 5 months after the beginning of this listening. C'était à peu près 4 ou 5 mois après avoir commencé à écouter. I was walking to go to some place where we have to pay for a big road. J'étais sur le chemin du péage pour aller sur l'autoroute.
And I was walking because it was not the car was following, was driving more than 100 kilometers that it was not possible to hitchhike. Et je marchais, les voitures allaient tellement vite que ce n'était pas possible de faire du stop. Donc je marchais jusqu'au péage. I was walking to this place where all the cars to stop. And when I arrived here, et quand je suis arrivé là, there was 200 meters far away, there was someone who was nick, 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 nick. So, il y avait quelqu'un qui klaxonnait. Et bon, au début, je n'ai pas compris que c'était pour moi. At the beginning, I didn't understand it was for me. And after 2 minutes, I understand it was, he was calling me. Et après 2 minutes, j'ai compris qu'il m'appelait. Alors je suis allé, I went. And when I arrived, quand je suis arrivé, cet homme, this man told me, I am going to Paris. I have seen your, because I always had a paper with the name of where I'm going. J'avais toujours un papier pour dire où j'allais, mais je le montrais pas. Je marchais, donc je l'ai pas montré, mais il l'a vu. I was not showing, but he see it. And he said, I'm going to Paris. So I want to take you with me because you were walking, you were not waiting. Et il m'a dit, je vais t'emmener parce que comme je t'ai vu marcher, que je ne t'ai pas vu attendre, alors j'ai décidé de t'emmener. And when I go in the car with this man, et quand je suis allé dans la voiture avec cet homme, he tell me this sentence, il m'a dit cette phrase. Quand tu fais un pas vers Dieu, Dieu en fait 10 vers toi. When you are doing a step. When you take a step. When you are doing a step to God, near to go to God, God is doing 10 steps towards you. And at the beginning, j'ai pas compris. I didn't understand what he was saying. I thought, wow, this man he thinks he is believing that he is God. Et j'ai pensé, oh, c'est eux, cet homme, il croit qu'il est Dieu. Et c'est seulement 20 ans après, it's only 20 years after that I understand that I didn't know what he wants to say. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire. But ce n'est pas lui qui parlait. It was not him who was speaking. This intelligence was speaking to me through him. C'est cette intelligence qui parlait à travers lui, qui me disait quelque chose. Je ne sais pas ce que lui a voulu dire. I didn't know what he wants to say, him. But I have understood that he was not speaking by himself. He was speaking through, the intelligence was speaking through him. C'était cette intelligence qui s'adressait à lui et qui me disait, en osant écouter cette intelligence, this intelligence was saying me, comment on dit ça? Oser écouter cette intelligence. If I dare to listen to this intelligence. Yes. This is your step. C'est ton pas. And now, this intelligence is doing 10 steps towards you. Et cette intelligence, elle fait 10 pas vers toi. Alors, cette aventure a quand même pas mal changé ma vie. This story changed a lot of my life. And I have learned a lot of things about this because I was at this time I was teaching ski. À ce moment-là, j'enseignais le ski. Et quand j'enseignais le ski, depuis tout jeune, je voulais être le meilleur professeur de ski. And since I was young, I would like to be the best professor of ski. It was very egotic. C'était très égotique, but it's, you know, ego is serving this intelligence. L'ego, il sert aussi cette intelligence. So, comme je voulais devenir le meilleur professeur de ski, j'avais une connaissance parfaite de comment ça fonctionne, le ski. J'avais vraiment une connaissance, comment vraiment ça marche, physiquement, mécaniquement, scientifiquement, le skieur, le ski, comment les skis fonctionnent sur la neige. I know all this. Can you translate? So, because I wanted to be the best ski instructor, I knew all the technicalities of how to ski and how to explain how the skis work on the snow, how the mechanics of skiing.
Et j'avais développé une façon très très simple d'expliquer. And I developed a very very simple way to explain. And everybody can understand. Tout le monde pouvait comprendre. Les enfants, les adultes, tout le monde pouvait comprendre. Child, adults, everybody can understand what I was saying. I learned how to say in a simple way. J'avais appris à le dire en mots très simples. And once upon a time, there was a guy from Vietnam. Et une fois, il y avait quelqu'un du Vietnam. And he told me this. Il m'a dit ceci. Je comprends parfaitement tout ce que tu nous expliques. I understand very well all what you are explaining. Mais entre ma tête et mes pieds, il y a plein de parasites. Can you say that? So once there was a man from Vietnam who said, I understand perfectly well everything you're explaining to me. My brain knows, but between my head and my feet, there are many parasites. Et cette remarque, ça a été comme une illumination. J'ai compris que je ne devais plus parler à la tête des gens, à l'intelligence intellectuelle des gens, mais j'ai compris que je devais parler à cette intelligence à l'intérieur des gens et donc m'adresser au corps, aux pieds des gens, pas à leur tête. Diane. So he understood that this was like a big enlightening moment for him, and he understood that he shouldn't talk directly to the intelligence of the person, but he needed to speak to the intelligence of the body. J'avais remarqué que les corps étaient très intelligents, mais que les gens, eux, l'étaient beaucoup moins sur les skis. So he had noticed that the body was really intelligent, but that the people themselves were quite a bit less intelligent on their skis. J'avais remarqué que quand les gens arrêtaient de penser, ils apprenaient très vite. And that when people stopped thinking, they learned a lot more quickly. Mais que quand ils voulaient apprendre avec leur tête, c'était très, très long. When they wanted to learn with their heads, it was really long. Quand ils voulaient comprendre comment ça marche, c'était très, très long. When they wanted to understand how it worked, it was really, really long. Et à partir de ce moment-là, j'ai inventé plein de jeux, de mise en situation. J'ai beaucoup développé une approche ludique de l'apprentissage. And starting from this moment, I invented many, many games to take a more ludic or corporal approach to learning, hands-on approach. Et pendant des années, ça a été une période de créativité extraordinaire. And for many years, this was a period of extraordinary creation. Et je me suis rendu compte que les gens skiaient comme ils vivaient. And I realized that people skied how they lived. Et j'avais développé une telle connaissance de comment ça fonctionne que je savais comment les gens allaient skier sans les voir skier. I developed such an understanding or knowledge of how it worked, that I knew how people would ski just by speaking with them. Parce que j'avais remarqué tous les plein de liens entre la vie et le ski. Because I had noticed so many links between life and skiing. Que la façon dont chacun est, il va forcément skier d'une certaine façon qui est en cohérence avec ce qu'il est dans la vie. And the way that each person is will determine the way that they will ski, because he will ski in coherence with the personality. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai développées de façon spontanée, mais j'avais pas forcément conscience de tout ce que je faisais. There are many things that I developed quite spontaneously, but I wasn't conscious of what everything that I had developed. Et la vie a continué à me donner des expériences et des apprentissages pour développer cette connaissance.
And life continued to give me experiences to develop this knowledge, this type of knowledge. Et un des points, je vais donner quelques, comme ça, quelques... on va dire. Cette intelligence n'a pas besoin de conditions n'a pas besoin de conditions pour être parfaite. This intelligence doesn't need conditions to be perfect. Elle est parfaite. It is perfect. Mais certaines conditions vont faciliter de travailler avec cette intelligence. However, certain conditions bring about a facility for working with this intelligence. Et c'est là où la vie m'a appris beaucoup de choses. And this is where life has taught me many things. Et une des premières choses que j'ai appris avec cette intelligence, c'était qu'elle me demandait de ne rien vouloir moi-même. The first thing I learned about this intelligence is that it demanded me to never want anything for myself. Une fois, j'ai décidé de déménager et je suis allé dans un endroit de France où la vie est très chère. Once I decided to move and I went to a part of France where the quality of life is really expensive. Et mon budget, il était très petit. And my budget was really small. Et quand je demandais pour trouver une maison avec tel budget, tout le monde me disait c'est impossible. And so when I asked around me for a house with this budget, everybody around me told me it was impossible. Mais moi, je savais que je devais être dans cette région. But me, I knew that I should be in this region of France. Et je me suis dit, si je dois être là, il y a forcément une solution. And so I told myself, if I should be here, then there will be a solution. Donc cette intelligence m'a guidé. So I was guided by this intelligence. So the first day, I thought I will go to this village. Le premier jour, j'ai décidé, je vais aller dans ce village. Et j'ai cherché toute la journée. J'ai demandé partout, j'ai visité toutes sortes d'endroits, j'ai rencontré des gens. The first day, I visited a lot of places, I asked a lot of people. And I spent all the day without nothing. J'ai passé toute la journée et j'ai rien trouvé. Je suis rentré, j'étais chez des amis. I come back to friend's house and I think, oh, I didn't listen to this intelligence. J'ai pas écouté cette intelligence. In fact, je suis allé là où je voulais aller. I have gone to the village I wanted to go because I love this village. Je suis allé au village où j'avais envie d'aller parce que je l'aimais. And I said, okay, now I have really to listen. Now, maintenant, je dois vraiment écouter. Où est-ce que ça me demande d'aller chercher? Where I have to go and look for? And it gave me another village. And ça m'a indiqué un autre village. But I was thinking that it was impossible to find a solution in a normal way, in an agency. Je pensais que c'était impossible de trouver un tel lieu dans une agence. Because in an agency, it's very expensive. Parce que dans une agence, c'est très cher. Donc, at the beginning, I have éliminé toutes les agences. How would you say that? He was thinking that it would be impossible to find something like this through a real estate agent. So at the beginning, he eliminated all real estate agents in agencies. Alors, j'ai commencé à chercher dans les magasins, à demander aux gens, à circuler. Premier jour, rien. I begin to look for, asking, looking for what it can be, and first day, nothing. Second day, nothing. But the second day, I say, where it is exactly in this village, because it was a very big village, where it is. And I find an area. Et j'ai trouvé un endroit dans ce village. Et je me suis dit, c'est là. And I thought it was here. And I was going here and there, looking, asking people. Et j'allais là, demander aux uns et aux autres, rien.
And the third day, again, again and again, all the day. And le troisième jour, toute la journée, pareil, et rien. Arrive la fin de la journée, the end of the day come, and I didn't find anything, et j'avais rien trouvé. And I was thinking, oh, j'ai tout essayé, I have tried everything, et je n'ai rien trouvé, and I didn't find anything. And I heard a little voice, et j'ai entendu une petite voix. Elle disait, non, non, tu n'as pas tout essayé. No, no, you didn't try anything. You didn't go to the agency. Elle m'a dit, tu n'es pas allé voir les agences. Et il y avait 5 agences pour des maisons, pour trouver un hébergement. Il y avait, there was 5 agencies in this village. So I said, okay, I will go to all the agencies so nobody can say that I didn't do anything. Et j'ai décidé de faire toutes les agences, comme ça je me suis dit, c'est impossible de dire que je n'ai pas tout fait, quoi. And I go to the first agency, je suis allé à la première agence, and when I said my budget, they said, oh, it's impossible, it's double price. Oh, c'est impossible, c'est le double du prix. Second agent, the same. Third agent, the same. Fourth agent, the same. And I go to the fifth agent, and they said exactly the same. It's impossible, it's double price than you can put. And I was saying, okay, it's normal. I was going out, and j'allais sortir, et soudain, l'homme me rappelle. And suddenly, the man, he called me again. Oh, I am thinking something. Oh, je pense à quelque chose. And I look at him and I say, oh, it's this. Je le regarde et je dis, oui, c'est ça. And he explained me about a little place in a house where I can see the sea. And it was a German people. He don't want to rent in an official way, but he accept. And so, et j'ai trouvé quelqu'un, un Allemand, qui voulait louer, mais pas de façon officielle. Et du coup, j'ai atterri dans cette petite maison avec vue sur la mer. Et pour moi, it was less than the amount I thought at the beginning. Et cette expérience, elle m'a montré que si je veux quelque chose, si if I want something by myself, I can't hear this intelligence. Je ne peux pas entendre cette intelligence. Et la deuxième chose qu'elle m'a montré, c'est que cette intelligence n'a aucune limitation. This intelligence has no limitation. I had limitation, j'avais des limitations, et elle était libre de ces limitations. And this intelligence was free of this limitation. So, from this time, I knew that I haven't to keep limitation in my head when I want to find a solution. Et j'ai compris que je ne devais pas avoir des limitations quand je cherche une solution. J'ai compris que cette intelligence peut donner des solutions auxquelles on ne peut même pas penser. I have understood that this intelligence can give solutions that we can't think. And une autre chose que j'ai appris, une fois, J'avais toujours pas de voiture. I didn't have a car this time also. And I was living with some friends in a house. Je vivais avec des amis dans une maison. Et deux de ses amis avaient une voiture. Mais je fonctionnais avec la voiture d'une amie. And I was two friends of mine that was car. They were car. And one of them, I can use her car. Mais sa voiture est devenue en très mauvais état. But his car was very, very, very old and not good. And she said, "Oh, we have a lot of on doit faire beaucoup de réparations. C'était très cher." I don't know that. She needed to do many repairs, and it was really expensive. And my feeling, it was to stop with this car. It was too expensive, and it will break again. It will break in a few times. Et mon feeling, c'était que cette voiture allait à nouveau casser peu longtemps après. Et je lui ai dit, and I told to my friend, no, no, I don't want to put money in this car. It's really too bad. It will break again. We will put this money and it will break again. On va mettre de l'argent et cette voiture va à nouveau casser. Alors j'ai dit, non, je ne mets pas d'argent. And she was very angry because she loves this car. She loves her car. Elle était très fâchée parce qu'elle aimait cette voiture. Mais après 3 jours, elle est venue. After 3 days, she came to me and said, "You're right.
tu as raison. Moi aussi, je sens que ce n'est pas bien de mettre de l'argent dans cette voiture. I am also feeling that it's not good to put money in this car. But I couldn't hear this, mais je ne pouvais pas l'entendre. And after three days, she said, OK. And après trois jours, elle a dit, OK. Donc, we have put this car in the, we have sell this car for mechanic place, for mechanic parts. Piece. Yes, on a vendu cette voiture pour les pièces mécaniques. And so, we were two without car. Et alors, nous étions deux sans voiture. Et à ce moment-là, un homme me dit, il construisait sa maison. Et il me dit, j'ai besoin d'aide pour construire ma maison. Si tu m'aides pour construire la maison, je te donne ma voiture. And that was a man, he said, OK, I am building my house. I need help because it's too much work. If you help me, I give you my car. OK? And I was thinking, and I told him, but first, I want to try your car. Mais avant, je veux essayer ta voiture. It was not to see if it was a good car. It was just to see, to feel if it was really the good car for me and for us, you know? C'était juste pour sentir si la voiture, c'était vraiment cette voiture-là. So, I went with my friend in this car. We do a round. Nous avons fait un tour avec cette voiture. And I was, the feeling was, no, it is not this car. And mon feeling, c'était, non, c'est pas cette voiture. And my friend, it was the same feeling. Et mon ami, c'était le même feeling. Non, c'est pas cette voiture. On doit pas prendre cette voiture. We haven't to take this car. So, I come back to my friend and I said, I don't know why, but I have the feeling that it's not this car. I haven't to take this car. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que je dois pas prendre cette voiture. Alors, I came back to the house and I was a bit... j'étais un peu embêté parce que je savais qu'il avait besoin d'aide et je sentais que c'était important de l'aider. So I was feeling a bit awkward because I knew that he needed help and it was important to help him. And soudain, j'ai eu une idée. And suddenly came an idea. Because I was doing a lot of work, creating a lot of work, and I need to learn how to do things with the computer, how to do posters, flyers, and so on. Je faisais beaucoup de choses créatives et j'avais besoin d'apprendre à faire des flyers, des posters et tout ça. Mais j'avais pas d'ordinateur. I did not have a computer. But this man, he was a guy who was very good with computer. He has a lot of computer. Cet homme avait beaucoup d'ordinateurs. Il travaillait avec les ordinateurs. So I came back to him and I said, OK, I will work with you. Je vais travailler avec toi and you give me a computer. Et tu me donnes un ordinateur. But I had a computer, j'avais un ordinateur, but no car. Mais pas de voiture. And a few days later, the third person, et quelques jours après, la troisième personne qui avait une voiture, this person, she never wants to share his things. Cette personne ne voulait jamais partager ses choses. Et pour elle, c'était impossible de partager sa voiture. And for her, it was impossible to share his car. And a few days later, she said, oh, ay, ay, ay. Since many, many days, something pushing me to share my car. Depuis plusieurs jours, quelque chose me pousse à partager ma voiture avec vous. So for 1 year, we have organized a way to go with one car. We were three with one car. Et pendant un an, nous avons fonctionné avec cette voiture. And 1 year later, she was not French. 1 year later, she came back to his country. And une année plus tard, elle est partie dans son pays. Elle n'était pas française. Et once again, no car. Et une fois de plus, pas de voiture. Et j'avais trouvé du travail dans un jardin. I find a work in a garden. And I was speaking with the guy of this garden. Je parlais avec l'homme de ce jardin. And I was explaining the situation for us. And j'expliquais la situation pour nous.
And the day after, et le jour du le lendemain, it was the last day I can drive this car. C'était le dernier jour que je pouvais conduire cette voiture de la personne étrangère. This person of, she was from Holland. It was the last day. And when I was going, I feel something very strong and say, oh, something very special will happen. Et je sentais que quelque chose très spécial allait arriver. And when I arrived to this garden with the, to this guy, et quand j'arrive à ce jardin, à cet homme, he told me, come to my office. He told me, il me dit, viens à mon bureau. And I thought, oh, what happens? There is some problem. And I thought, oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. And he was very serious, you know, very, il était très, très sérieux, et il était très solennel. How do you say that? Very serious. Solennel. It's serious. Grave. He had a yes. grave look. And he had a grave look. I had no idea what he wants to speak with me. J'avais aucune idée de ce qu'il voulait me dire. Et il me regardait comme ça en silence, et il me dit. And he was looking at me silently, and he said, Abel, j'ai décidé de te donner ma voiture. Abel, I have decided to give you my car. It was incredible, you know. And this story, I have learned that we have to go till the end. We have to be confident until the end. J'ai appris avec cette histoire qu'on doit avoir confiance jusqu'au bout. Because if at the beginning I was not confident that I have to take the car of the guy of the house. Parce que si au début, je n'avais pas eu confiance que je ne devais pas prendre le car de l'homme qui construisait la maison, all this never happened. Tout ceci ne serait jamais arrivé. Et on ne m'aurait pas donné cette voiture. And this guy never gave me this car. That was incredible, this story, you know. C'était incroyable, toute cette histoire. Et j'ai vraiment appris qu'il fallait faire confiance jusqu'au bout. Même si on ne sait pas pourquoi c'est comme ça. And I have learned we have to go until the end, and to be confident until the end, even if we don't know why it is like this. Une autre chose que cette intelligence m'a appris, and another thing that this intelligence learned me, that we have to be confident, on doit faire confiance, quel que soit l'état intérieur dans lequel on est. How do you call this? How do you say this in English? No matter what interior state we are in, This story I have learned with a funny story. This thing I have learned with a funny story. J'ai appris ça avec une histoire assez drôle. I was living in the mountain with someone. J'habitais dans la montagne avec quelqu'un. Et ce jour-là, and this day, we were like this. There was some troubles within us. Il y avait des troubles entre nous. And I have to go to the town. Je devais aller à la ville. 100 kilometers, c'était plus d'une heure de chemin. More than 1 hour in the mountain. And I was angry. So I go with this angry. And when I take the car, je suis parti avec cette colère. Et quand j'ai pris la voiture, this intelligence, she showed me that I have, that she showed me an image. Cette intelligence, elle me montre une image, et elle me montre cet ami qui était dehors et qui me faisait signe. And she showed me this friend when I was angry with her. She was outside of the house and she was sign me, you know, like this, like a call to come back. Comme un appel pour revenir. But as I was angry with her, so I said, no, I don't want to go back. Et comme j'étais fâché, j'ai dit, non, je ne vais pas retourner. Et je suis parti. And I went with my car. And 40 minutes later, et 40 minutes après, oh my God, I have forgot my papers. Oh mon Dieu, j'ai oublié mes papiers. I have to go to the town for papers, you know. And so I have to go back in the town, to go back in the mountain, 40 minutes to take my papers and to go back to the town.
Et j'ai dû aller chercher 40 minutes en arrière mes papiers et repartir à la ville. And I immediately understand what was the teaching of the life. Et j'ai immédiatement compris quel était l'enseignement de la vie. She told me, you see, when you are angry, you don't listen. Tu vois, quand tu es fâché, tu n'écoutes pas. She showed me like this. Okay, I have to listen even if I am angry. Okay, je dois écouter même si je suis fâché. C'est, j'ai appris qu'il fallait écouter, que c'était important d'écouter cette intelligence tout le temps. And I have learned that it was very important to learn this intelligence at all the times. And all this, all what I have learned, step by step, it helped me to teach. Et tout ce que j'ai appris petit à petit, ça m'aidait à enseigner. Toutes ces choses-là ont développé, m'ont permis de développer l'expérience dans cette façon d'enseigner, en écoutant cette intelligence. Can you translate, Ian? All of these experiences helped me to develop the way that I would teach, and just by listening to this intelligence. Par exemple, une fois j'enseignais et I was teaching and suddenly I have no idea. No idea at all what I can do. J'avais aucune idée de ce que je pouvais faire. It was completely empty in me. C'était complètement vide en moi. No idea. Aucune. And I was with a group. It was a group of therapy. C'était un groupe de thérapie. And I was staying like this, waiting. 10 minutes, 15 minutes, half an hour, 1 hour, 1.5 hours, nothing. une heure et demie, rien. Et I was telling to the people, nothing is coming, rien ne vient. It means that we have to wait. Ça veut dire que nous devons attendre. Juste rester avec nous. Just stay with us. And suddenly, something came. Et soudain, quelque chose est arrivé. Et cette semaine-là, plusieurs fois, ce phénomène est arrivé. And this week, many times this situation came. Silence. Nothing. Silence, nothing. Silence, rien. And you know, at the end of the week, et vous savez, à la fin de la semaine, quand les gens ont partagé leur expérience de cette semaine, when the people share about their experience of this week, they said, ils ont dit, I've never seen so strongly situation than silence. J'avais jamais vu une situation aussi forte et intense que le silence. They were here to heal some old thing in them. Ils étaient là pour guérir des vieilles choses en eux. Et le plus grand du travail s'est fait dans le silence. And the biggest work was done in the silence. It was very impressionant. C'était très impressionnant, cette situation. And une autre situation qui m'est arrivée par rapport à l'enseignement, à ce moment-là, j'enseignais le clown. At this time, I was teaching the clown with the red nose. And I was in the mountain, j'étais dans la montagne. We were living, it was for 1 week, and we were living in a little village. On habitait dans un petit village. And there was a special room while I was doing this activity. Il y avait une pièce spéciale où je faisais cette activité. But we have to walk more than 500 meters in the mountain. But on devait marcher 500 mètres dans la montagne. Et jusqu'à cette semaine-là, and until this week, when I was teaching something, quand j'enseignais quelque chose, the morning, le matin, I always know what I have to do on the day. Je savais toujours ce que je devais faire toute la journée. It comes in the morning, you know. Ça venait le matin. It came that I know I have to do this and this and this. Ça venait le matin que je devais faire ceci, ceci, ceci. C'était toujours comme ça. It was always like this. Every morning when I have to teach something, it came in the morning. I have to do this, this, this. Tous les jours, quand je devais enseigner, ça me venait, tu dois faire ci, ci, ci.
cette intelligence me disait des choses. This intelligence was telling me this and this. And this week, it was very crazy because the first morning, nothing. Et cette semaine-là, c'était très spécial parce que le premier matin, rien. And no idea of anything, aucune idée de quoi que ce soit. So, when the time we have to go out of this of the house where we was living, il vient le temps où on doit s'en aller de la maison où on habitait, and we have to walk to the little to the place, et on devait marcher jusqu'à l'endroit où on devait vivre l'enseignement du clown, just to the place where we have to live this clown session. And I was walking in the mountain, et je marchais dans la montagne, et je me disais, maintenant c'est le temps que ça vienne. Now it's the time that it comes, you know. And I was hearing, no, it's not the time. Non, c'est pas le temps. Ah bon? Okay. So we arrived to the place, and I said, now it's the time. Alors on arrive à l'endroit, et je dis, maintenant c'est le temps. Non, non, it's not the time. Bien, ça va commencer. It will begin. And I heard, no. Ça n'a pas commencé. No, it didn't begin. You are outside. Tu es dehors. Ça n'a pas commencé. It didn't begin. You are outside. Okay. We go inside, all the group. And now everybody was ready, and I was ready. On va à l'intérieur. Tout le monde était prêt. Moi, j'étais prêt. Et je dis, now it's the time. No, ça n'a pas commencé. and I said, now it's time. And I heard, no, you didn't begin. What? I was no idea what I will do. Je n'avais aucune idée de ce que je devais faire. And I was saying to the people, et je dis aux gens, I have no idea, it doesn't come anything. Je n'ai aucune idée, rien ne vient. So I begin to walk in the room. So j'ai commencé à marcher dans la pièce. And suddenly, it came. And suddenly, soudain, quelque chose est venu. But it was just for the moment. C'était juste pour le moment. And all this week, every day, nothing came before the time that I needed. Exactly. Et cette semaine-là, rien n'est jamais venu avant le moment où j'en avais vraiment besoin, où ça commençait. It was all an initiation for me. You know, c'était toute une initiation pour moi. Because normally, it comes before. And suddenly, nothing came before. C'est toute une initiation parce que d'habitude ça venait d'avance et puis là rien ne venait. Mais tout arrivait au moment où l'action commençait. Everything comes when the action was beginning. And it was all a lesson for me. C'était toute une leçon pour moi. Donc à partir de là, j'ai arrêté de préparer quoi que ce soit. From this time, I stopped preparing anything. Since this time, I never prepared anything. Depuis ce temps, je n'ai jamais rien préparé. Jamais. Je n'ai jamais préparé une conférence, jamais préparé un cours, rien. Depuis ce temps-là, since this time, I didn't prepare anything. No talk for the talk, for when I'm teaching, or for everything, I didn't prepare anything. I just come and let it go. Je viens et je laisse faire. And it works. Et ça marche. And it is fantastic. Et ça marche et c'est fantastique. Et là, je vais vous raconter quelques expériences pour vous montrer le fantastique de cette intelligence, combien elle est extraordinaire. And I will tell you some stories to show you how this intelligence is extraordinary, extraordinary, you know. Cette intelligence, elle ne se répète jamais. This intelligence never repeats the things. Elle a l'art de toujours dire les mêmes choses de façon différente. She has the art to say always the same thing in a different way. Never the same way. Jamais la même façon. Toujours nouveau. Always new. Et elle a l'art de créer, d'inventer des situations, and she has the art to create situations, to create games, to create way to learn something, d'inventer des chemins pour apprendre des choses. Je vais vous conter une petite histoire. I will tell you a little story. I was with someone who had a lot. She was
in her life, she was meeting a wall. Elle rencontrait un mur. Is it good meeting a wall in her life? Yeah, sure, that works. And I was hitting a wall. To hit a wall. I was with a person. She was hitting a wall in her life. Elle rencontrait un mur dans sa vie. And I was speaking with her. Je parlais avec elle. Et elle m'expliquait ce qui se passait. She was explaining what happens. And I was telling her my point of view. Et je lui disais mon point de vue. For me, it was so clear what happens. Pour moi, c'était tellement clair ce qui arrivait. And I tried to tell him in a simple way. J'essayais de lui dire avec de façon simple. But for her, it was impossible to understand. Mais pour elle, c'était impossible de comprendre. So after a moment, I was like this, waiting. I said, okay, je ne sais pas quoi dire. I don't know what to tell. I was waiting like this in silence. 5 minutes. And suddenly, it came to me an idea. J'attendais pendant 5 minutes et d'un seul coup, il me vient de lui dire, OK, what you are doing is this. Ce que tu fais, c'est cela. You see, there is this little flower, a coquelicot. Il y a cette petite fleur, un coquelicot. Poppy? Yeah, poppy. There is a poppy. You know this red flower? It's a red flower, but it's like opium. You know, it's the same family as opium. We can find it very everywhere in France. On peut la trouver partout en France, le coquelicot, c'est une fleur rouge. And there was this flower just 1 meter behind devant nous. Il y avait cette fleur seulement 1 mètre devant nous, just behind us, 1 meter. What you are doing is there is this poppy. It is red. Ce que tu fais, c'est ça. Il y a cette fleur coquelicot qui est rouge devant toi. And you want this flower to be blue. Et toi, tu veux que cette fleur, elle soit bleue. Mais elle est rouge. But she is red. And you want extremely to this flower to be blue. Et tu veux absolument que cette fleur soit bleue. But she is red. Mais elle est rouge. So, you made this wall. That's why you made this wall. Et c'est pourquoi que tu rencontres ce mur. Parce que tu veux que ce soit comme ça, alors que c'est comme si. Because you want the things to be like this, but it's not like this, it's just like this. You know? What you are doing is this. And she looked at me and she said, elle me regarde, elle me dit, wow, this is incredible. Elle me dit, wow, c'est incroyable. I have done a prayer to this flower. J'ai fait une prière à cette fleur dans le silence. Et je lui ai dit, explique-moi. And I told this flower, tell me, what is the problem? I didn't know anything. And suddenly I was speaking of this flower, telling to show her what she was doing. You know? Mm-hmm. That's this incredible magic of this intelligence, you know? Ça, c'est la magie incroyable de cette intelligence qui a l'art de faire ces choses-là. Mm-hmm. Cette intelligence, donc, elle est toujours créative. Elle fait toujours des choses nouvelles. Elle dit toujours les choses de façon nouvelle. Et elle est tout le temps là. Tout le temps là. This intelligence, she is always creating new way. She can say the same thing in a new way. She is pure creation. And she is always there. Always, always, always. Elle est tout le temps là. Pourquoi que ce soit? For all the things. You can cook with this intelligence. Vous pouvez cuisiner avec cette intelligence. Vous pouvez enseigner avec cette intelligence. You can teach with this intelligence. You can find, oh, you know, what I have done many times? I have a lot of story, you know, about this. J'ai beaucoup, beaucoup d'histoires avec cette intelligence. It's like a GPS. C'est comme un GPS. 3 times in my life, I have to go in a place in a town, big town. Trois fois dans ma vie, j'ai dû aller à un endroit dans une ville que je connaissais pas. I didn't know this town. I have no GPS. I have no card. Nothing. J'avais pas de GPS, pas de carte. So I was saying, okay, this intelligence will guide me. Cette intelligence va me guider. Et à chaque carrefour,
each cross I was asking, okay, right, left, okay, right. I was going like this, whoop, 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 whoop. And each time when I was doing this, poof, I came directly in the good place. Et chaque fois que j'ai suivi cette intelligence, je suis toujours arrivé au bon endroit. Bon, j'ai plein d'histoires comme ça à raconter. Et dans l'enseignement, to teach, it shows me that you have nothing to do. Ça m'a enseigné qu'on n'a rien à faire. Mais pour que ça fonctionne, but to work with this intelligence, there is some conditions. Et pour fonctionner avec cette intelligence, il y a des conditions. Si je mens, if I am lying in the life, if I am lying to myself, si je me mens à moi-même, it's impossible to hear what is speaking in me. C'est impossible d'entendre, de comprendre ce qui parle en moi. Je ne peux pas faire la différence entre cette intelligence qui parle et puis ma mémoire qui parle. I can't make the difference between this intelligence speaking and memory speaking or reaction speaking, ou les réactions qui parlent. If I decide something with reaction, if I am lying to me, I am like a blind, you know? C'est comme si je suis aveugle. Une des conditions, one of the conditions is not, we haven't to lie in the life. On ne doit pas mentir dans la vie. Une autre condition, c'est qu'on doit toujours aller jusqu'au bout. We always have to go to the end. Never stop until the end. On doit toujours aller jusqu'au bout, ne jamais s'arrêter avant la fin, même si... même si it seems impossible to go to the end, même si ça paraît impossible d'aller jusqu'à la fin. Qu'est-ce que j'ai appris encore? Oh, maybe you have questions and it will come. Peut-être que vous avez des questions et ça va venir. Ben là, j'ai plus rien. Il n'y a plus rien qui me vient. Nothing is coming now. It's time for questions and answers. Okay. For me, it's... nothing is coming for me. So... Oui, bonjour Abel. Oui, bonjour Dominique. Oui. Écoute, ce récit de ton expérience de vie me parle énormément parce que j'ai réalisé des choses de cet acabit assez tard dans ma vie. Vers 50 ans et quand j'ai décidé de devenir professeure de yoga, ce que j'avais jamais prévu dans ma tête avant. Et en fait, j'ai donc fait une école et à l'école, on nous demande de faire un mémoire. Et en réfléchissant sur le parcours qui m'avait amenée jusque-là, eh bien, j'ai trouvé plein de pistes de cet ordre. C'est-à-dire que je me suis dit, mais c'était là depuis très très longtemps, mais je ne le savais pas du tout. Et en fait, bon, dans les écoles en France, les écoles de yoga, on essaye de nous structurer de façon à bien préparer les séances, etc. Bon, j'ai suivi le cursus, mais une fois sur le terrain, je me suis rendu compte que je ne pouvais absolument pas préparer les séances par écrit, c'était impossible. Et que je l'ai préparé dans ma tête un peu le week-end en me promenant dans la nature, en me disant « tiens, je pourrais peut-être faire ça, ça ». Et arrivé au moment du cours, j'oubliais tout ce que j'avais essayé de stocker dans ma tête. Et là, je pars dans un espèce d'élan et je me sens, bon, moi j'appelle ça un peu transcendée, je me sens entraînée, guidée malgré moi vers quelque chose de simple, mais d'authentique, et je me rends compte que ça touche beaucoup les gens qui sont autour de moi. Et il n'y a rien d'intellectuel. Ok, merci Dominique. On va demander à Dion de traduire. We will ask Dion to translate, ok? Merci. Ok. Well, Dominique says that she was really touched by Abel's stories and his explanations of all of this, she, at 50 years old, she decided to become a yoga teacher, and she in the school for becoming a yoga teacher, they had asked her to write a memoir
an account of her life, and they found, and she found many, many experiences while she was writing this memoir, of the same type that Abel has had, where she felt guided. And in the yoga schools in France, when you're becoming a teacher, they really ask you to prepare your class, your yoga class, and to write everything out and to prepare it really carefully. And she found that it was impossible for her to write out her classes, but she prepared in her head. She would go walk in nature, and she had many ideas. But when she found that she came to the class, none of these ideas came to her. She just felt completely guided to whatever whatever happened. All the ideas fell away. She let herself be guided, and her yoga. She found that her yoga classes in this way touched. Had a nice, really good influence on many people. Merci, Dominique. Thank you, Dominique. Welcome. Abel, comment tu fais la différence entre la voix de la grande de l'intelligence et la voix du mensonge? So how do you make? Yeah. How do you make difference between the right voice of this big and great intelligence and the voice of the liar? My experience is we are never sure. Mon expérience, c'est qu'on n'est jamais sûr. That's why we have to go to the end. C'est pourquoi on doit aller jusqu'au bout. When you are going to the end, you can see what was speaking in you. Quand tu vas jusqu'au bout, tu peux voir ce qui parlait en toi. Si tu vas pas jusqu'au bout, tu le sais pas. If you don't go to the end, you can't know what was speaking in you. It's always new, you know. So, c'est toujours nouveau. So, it's always different. So, donc c'est toujours différent. Et il y a toujours des nouveaux challenges. And there is always new challenges. Yes, thank you, Abel. And what a powerful experience to listen to you try to describe how you've learned so many. Spiritual is maybe the only word to describe how you've learned to live your life, right? I went through a very similar experience, and what I learned was so similar in so many ways. And to answer Paz, it's about being able to tell if fear is in you when you hear the voice, at least in my experience. If I could feel any fear, I proved to myself that that was a liar by doing immediately that which I felt fear. And if there's no fear, then it's just instinct, and it's about being playful to do the experiment that Abel is describing, to go to the end and not force what I think, but to let go and to await the adventure of what comes next. I'm so glad to be here, Abel. Thank you, Thomas. Thomas, il raconte son expérience qui est assez similaire par rapport à la peur. Il s'est rendu compte que quand la peur est là, eh ben, ça ne peut pas fonctionner, et que s'il va au-delà de cette peur, alors il peut travailler avec cette intelligence, et c'est magique. En gros, c'est ce qu'il a raconté. I just want you to share, because we are speaking about education and children, comme on parle des enfants et de l'éducation, I have worked as a teacher in a school. J'ai travaillé comme instituteur dans une école. And I remember a story. Je me rappelle une histoire. I was with the child. We were outside in a field. On était dehors dans un champ. Et les enfants se sont mis à jouer à la guerre. And the children, they begin to play war. They took big plants, dry plants. Ils avaient pris des plantes très hautes, sèches. Et for them, it was like a gun. Et pour eux, c'était comme des fusils. Et ils disaient, pan, you are dead, pan, tu es mort. Et ils faisaient la guerre comme ça. Ils s'étaient fait deux équipes et ils se faisaient la guerre. There was two teams and they was fighting, war fighting, you know. Pan, you are dead, pan, tu es mort. And I was looking at this, et je regardais ça, et moi, j'aimais pas ça qu'ils jouent à ce jeu.
I did not like this game, war game, because it was a game that comes from TV, you know. C'était un jeu qui venait de la télé. It doesn't come from inside. They need to fight, but war, it was the ambiance of TV. C'était l'ambiance de la télé, des films. I was waiting like this. I didn't know what to do. Je ne savais pas quoi faire. And suddenly, et soudain, j'ai pris une de ces herbes. I took one this plant and I said, pam, full of joy, pam, plein de joie. And another one, I said, pam, plein d'amour, pam, full of love. And they go on to play, but they completely change the game. Ils ont continué à jouer, mais ils ont complètement changé le jeu. Ils se sont mis à envoyer de l'amour, de la joie, du rire, plein de choses. Ils ont joué pendant une heure comme ça à faire la guerre, mais une guerre de lumière. And they play one hour like this, playing war, but it was a war of light and love, you know. C'était une guerre d'amour et de... Et ils étaient très, très heureux. They were very happy. But it is not the end of the story. Ce n'est pas la fin de cette histoire. 1 hour and a half later, une année et demie plus tard, donc 18 mois plus tard, 18 months later, I was with the same child, j'étais avec les mêmes enfants. We went to the same place, on est allé au même endroit, and there was also this type of plants, and il y avait les mêmes plantes. And one of the children, he began to take plants a lot, like this. At the end, he has a lot of plants in his arm, you know. À la fin, il ramassait de ces plantes-là, et à la fin, il en avait plein les bras. And I was looking at him, and I was thinking, what he's doing? Je le regardais, et je me demandais ce qu'il faisait, quoi. Je ne comprenais pas pourquoi il ramassait toutes ces plantes. I didn't understand why he was taking all these plants. And I let him do this. And then we go back to the school. Et alors on est retourné à l'école. Il avait toutes ses plantes dans les bras. He was carrying all these plants. And I tell him, why have you take all these plants? Et je lui ai demandé, pourquoi tu as pris toutes ces plantes? This story touched me. And he said, il a répondu, parce qu'à ma maison, c'est triste. Because in my house, there is a lot of sadness. This story, it was so strong for them to play the war of light and love that it gained inside him very, very deeply. And he was thinking that if he go back to the house with these plants, he can create love and light in the house. Et il pensait qu'en prenant ces plantes, il pouvait faire une guerre d'amour et de lumière dans sa maison et changer les choses. And it shows me that when you are going with this intelligence, quand tu vas avec cette intelligence, it touches the soul. Ça touche l'âme. It touched very deeply. Ça touche très profondément. In the school, every day, à l'école, tous les jours, j'inventais une histoire. I was creating a story with this intelligence, you know. I was like this. I began to tell a story, like in a book, you know, but it was a creative story. It was a new story. And I was let this intelligence telling a story. Sometimes I was asking to the... Alors je racontais des histoires aux enfants et je me laissais guider par cette intelligence pour inventer des histoires. Donc je savais jamais ce que j'allais raconter. I did not know never what story I will tell, you know. Because the children, they were little, 5 to 7. Les enfants avaient entre 5 et 7 ans. And they were very fond of stories. Ils aimaient beaucoup les histoires. Et j'ai remarqué que, and I have looked at, when I was in the flow of this intelligence, quand j'étais dans le flow de cette intelligence,
Les enfants, je pouvais leur raconter des histoires qui durent une demi-heure, 40 minutes, jusqu'à une heure. When I was in the flow of the story, I can tell stories to these children that can go on for 30 minutes, 45 minutes, 1 hour. They were never fatigued. Tired. They were never tired. Donc, ils n'étaient jamais fatigués. Je pouvais leur raconter des histoires une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, jamais fatigués. And I have learned that normally in school, you can't tell a story more than 5 minutes. Normalement, à l'école, on ne doit pas raconter une histoire de plus de 5 minutes. That's what I have learned, because after 5 minutes, the children, they can't focus. Normalement, après 5 minutes, les enfants ne peuvent pas se concentrer, soi-disant. But my experience was, with this intelligence, it's not true. The little child, they can be focused for more hours without stopping any moment. Avec cette intelligence, les enfants peuvent focuser et être concentrés sur une histoire pendant une heure et sans jamais s'arrêter, même une seconde, quoi. And the other thing I have learned, l'autre chose que j'ai appris, c'est que because I was creating, it was a flow like this, it was very difficult for me to remember what the story I've told 5 minutes before, you know. C'était très difficile de me rappeler de l'histoire que j'avais raconté 5 minutes plus tôt. So it was very difficult for me I can't remember anything. Je pouvais pas me rappeler rien du tout. For one story, it was not a problem. Pour une histoire, c'était pas le problème. But I begin to tell stories like a series, you know, like a series on the TV, you know. Et j'ai commencé à raconter des histoires comme des séries. Tous les jours, il y avait une suite. Every day there was a following, you know. But it was very difficult because I couldn't remember what was the story the day before. Et pour moi, c'était très difficile parce que le jour d'avant, je n'arrivais pas à me rappeler ce que j'avais raconté. And so I developed a technique with the children and I said, oh, do you remember what happened yesterday? And je leur disais, tu sais, tu te rappelles ce qui s'est passé hier? Et ils me racontaient toute l'histoire. Comme ça, je pouvais faire des liens avec les personnages que j'avais mis en place. So I can link with the heroes of the story. Day to day. And what was incredible with this kind of going to a story, et ce qui était incroyable avec cette façon d'aller dans les histoires, j'ai raconté des histoires que j'ai racontées une seule fois, quoi, que j'étais incapable de me rappeler. I have told stories that I couldn't remember that exist only one time, you know, one day. But what was incredible, mais ce qui était incroyable, I have lived this experience, que j'ai vécu cette expérience. The children, they can tell me a story they have heard once a time, 1 year before, and they can tell the story, all the story. J'ai vécu l'expérience que les enfants qui avaient entendu une seule histoire, une seule fois, un an plus tôt, ils étaient capables de la raconter à nouveau. So, for me, it was incredible, you know, this. It was always, when happens this kind of thing, I was, oh, wow. It was so marvelous, you know. This is a true story about using this pedagogy, universal pedagogy with the children. Ce sont deux histoires qui me reviennent sur ce qui se passe quand on utilise cette pédagogie universelle. I call this universal pedagogy because for me, I have seen that God is the best pédagogue. J'ai vu que Dieu, c'était le plus grand pédagogue. This intelligence is the best pedagogue in the world. Cette intelligence, c'est le plus grand pédagogue qui existe dans la vie. It's my feeling now. C'est ce que je ressens maintenant. Voilà. Another one? Quelqu'un d'autre? Any other questions? Moi, je tenterais bien une dernière question. Abel? Yes. Est-ce qu'il y a différents niveaux avec cette intelligence? C'est-à-dire, je prends l'exemple, là, on sent bien qu'on est tous
sur le même plan, dans ce plan d'amour où il y a de l'écoute, etc. Est-ce qu'on arrive, est-ce qu'elle a différents niveaux ou est-ce qu'il peut se passer des moments où on est quand même dans cette intelligence, mais on est obligé de faire un effort pour grimper d'un cran de manière à harmoniser les différences? Est-ce que tu comprends ma question? Je ne sais pas. Est-ce que tu comprends ma question? Oui, je comprends. So maybe Deon, can you translate, please? Well, I can try. You're asking if it's possible that we're all connected to this intelligence, but at certain times we need to kind of climb up different layers to feel really connected. Is that how you feel it, Abel? I don't know what to say. Je sais pas quoi dire. My experience that it, sometimes I'm not in the good. I am not in the good state. Quelquefois, je suis pas dans le bon état pour entendre vraiment bien. To hear well. It sounds like my point, Abel. I'm sorry. It's coming in English. I'm sorry, dear. It sounds like we are in this great intelligence, but when we work together, it sounds like we go one more step. We need to go one more step to really be in equilibrium all together with one part of this great intelligence inside which one of us. It sounds like that. Elle dit que quand on est dans un groupe, on doit tous s'élever à un certain niveau pour qu'on puisse travailler avec cette intelligence ou pour que ça puisse fonctionner. C'est ça à peu près? Oui. Moi, mon expérience, c'est que j'ai travaillé beaucoup avec les groupes. Et ce que j'ai remarqué, c'est que cette intelligence-là, elle est parfaite. I have worked with groups, a lot of works with groups. And what I have seen is that this intelligence is totally perfect. Cette intelligence, elle est totalement parfaite. And she is totally aware of, elle est totalement consciente de chacun, of everyone, where everyone is, où chacun est. Et elle a l'art, and this intelligence, she has the art to make someone speaking, sometimes not, Someone says something and it's for all the group. Et elle a l'art de faire parler les gens, ça sert tout le groupe. Okay. If you don't think about this, si tu penses pas à ça, and if you are confident with this perfection, et si tu es confiante avec cette perfection, moi quand je travaille avec des groupes, when I'm working with a group in therapy or trainings about therapy, en thérapie ou en formation pour des groupes. I am working, but at the same time, je travaille, et en même temps, I am looking how works this intelligence. Et en même temps, je regarde comment travaille cette intelligence. Et t'observe. And I am always, what is the word? Quel est le mot? Je suis tout le temps... Amazed. Subjugué. Ah, c'est plus. Je suis tout le temps subjugué par la perfection de cette intelligence. I'm always, I don't know the word in English, Dion. I don't know either. amazed, but. Yes, it can be good. By this, by the perfection of this intelligence, you know, how she does so this. I think it's more like thrown aback. To be thrown aback by something. So now when I'm working, I am looking at this intelligence working. Maintenant, quand je travaille, je regarde cette intelligence travailler. Fantastique. Abel, j'aimerais partager avec vous cette expérience. Je pense que quand l'on sent cette présence-là, qui est comme une source pour nous, c'est dans des moments où on n'est vraiment pas du tout à la périphérie de soi-même, où on est vraiment intériorisé, connecté avec soi et avec une ouverture, une ouverture de cœur maximum. Et là, on a l'impression que ça vient tout seul, quoi.
Tu vois, si par exemple il y a des événements qui vont nous mettre sur l'extérieur avec un problème un petit peu de l'ego, de choses comme ça, alors on sent que là tout est barré. Et là, on peut très vite être dans la peur ou dans le manque de confiance et tout se désorganise. Oui. Alors que, hein, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Dionne, you can translate. I think you could do better that time. Je pense que tu peux faire mieux cette fois. Tu veux que je m'exprime différemment, c'est ça, Dionne? Non, c'est Abel. Je pense qu'elle peut le traduire mieux cette fois. Oui. I can try in English, but yes. Okay, let's try. Good. I'm going to try. I noticed that when we are outside ourselves. Thinking what are people thinking about what you're saying or something like that, it doesn't work. If you are really inside yourself with the heart opened, it's everything is easy. And the people around you are living quite at the same level. I find the same thing, Dominique, when I teach yoga. Je me sens la même chose. Hey, what I have learned that it's all a way to integrate this in the life, in the daily life. C'est tout un chemin pour intégrer cela dans la vie de tous les jours. I have seen that life gives you some special place when it's more easy to live like this. La vie te donne. J'ai remarqué que la vie nous donne des endroits où c'est plus facile de vivre comme ça. But the purpose of the game is to go to live like this in all the life, all the daily life. Et c'est le but du jeu, c'est de pouvoir vivre comme ça dans la vie de tous les jours et d'avoir cette de laisser cette intelligence faire les choses. To let this intelligence do the things for everything. Everything, even simple thing, you know. I have a story about this, you know. Once I have to do the floor of a house, you know, with a piece of wood. On appelle ça une fois je devais faire le parquet d'une maison. You know, there was piece of wood from 1 meter, 1 meter and a half, 1 meter 70, 2 meters, 2 meter 10. It was all the piece of wood was totally different. Toutes les pièces de bois étaient différentes. Pour faire ce parquet. And I was working for this floor. I was doing this floor for an old man. Et je devais faire ce plancher pour un vieil homme. And I was working with the son of this old man. Et je travaillais avec le fils de ce vieil homme. And this man, he was very, very structured in his mind. Cet homme, il était très structuré dans son mental. Il avait mesuré toutes les planches. He measured all the pieces of wood, and he has taken many times to calculate all the pieces of wood from the beginning to the end. You have to put this piece, and he had put a number on each piece of wood. You have to put this piece, this piece, this piece, this piece, this piece, and he gave us a plan. Il nous a donné un plan. Il avait tout calculé cette planche. Il avait numéroté toutes les planches. Et il avait fait un plan où il y avait chaque planche devait se placer là, là, là et là. So we have this plan with my friend. On avait ce plan. All the pieces of wood were in a room, and we have to work in another room. So we begin. First, we have to find the number, and then we begin. And after one line, we have done two lines. And after two lines, we couldn't find a piece of wood. On avait fait deux lignes. Il y en avait 40 des lignes. Yeah, that was 40 lines. We have done two. And it was impossible to find a piece of wood. Et la deuxième ligne, c'était impossible de trouver une pièce de bois. On s'était trompé. We did a mistake and we put it in the first line. Et on avait déjà mis dans la première ligne. And it was so crazy to do this. Et c'était tellement fou de faire ça. And I was very... I was really tired with this game to read the plan and to find the piece of wood. C'était très fatigant de lire le plan, de chercher les morceaux de bois.
I said, it's too complicated. C'est trop compliqué. I said to my friend, j'ai dit à mon ami, okay, we will do, if you want, we will do in another way. Si tu veux, on le fait dans une autre façon. He was also very intuitive, the guy. Il était aussi très intuitif. So I said, we go to the room, we look at the piece of wood, and we take the one that call us. On va dans la pièce, on regarde toutes les pièces de bois et on prend celle qui nous appelle. And we have done all the floor like this, you know, just looking at the piece of wood. Okay, I will take this one. And we put, we go. Okay, I will take this one. And we put it. And he was doing this, I was doing this. And we have done all the floor like this. And at the end, normally with the plan, nothing was, that was exactly the wood we need, you know, with some cut. And at the end, we have three pieces of wood more. That was not necessary, you know, we have finished. And the old man doesn't understand. And le vieil homme, il comprenait pas how we did. And we have three more pieces. And for in his calculation, it was impossible. Et pour lui, il comprenait pas comment on avait trois pièces de bois en plus alors qu'il avait tout calculé. That's the pleasure of this intelligence. You know, she is much more intelligent than all the abilities to calculate, no? L'intelligence, elle est beaucoup plus intelligente que toutes nos facultés à calculer. That was a story that came like this. Derry. Great story. Oh, I can't tell you how much I enjoy listening to your stories. And words like intuition and spontaneity and authenticity come to mind while I listen to you. When you're improvising with a group of musicians, sometimes you can all hear the bigger theme and it just works. And then it's magic, but other times it just becomes mechanical. You're going through the motions. There's no authenticity and you don't find the flow, or I'll use your word, intelligence. But to bring it to children, isn't this why we need to provide or allow undistracted time and space for each child to learn to hear their intelligence or the intelligence? Perhaps that's my question. Do you think... I will translate a little, Deli. Let me translate in French, you know, because it's a lot... Donc Derry, il explique qu'en musique, parce que Derry est musicien aussi, on l'a déjà entendu jouer du piano, et donc il explique qu'en musique, en groupe, quand on se laisse aller avec cette intuition, il se passe des choses magnifiques, et à d'autres fois, c'est très mécanique et le flow ne coule pas. Et donc sa question, c'est, il se demande, par rapport aux enfants, pour que les enfants puissent apprendre cette intelligence, est-ce qu'on a besoin de leur créer un espace de liberté pour qu'ils puissent apprendre? Est-ce qu'on a besoin de créer, comme dans les écoles démocratiques, c'est ça que tu penses, non? Cet espace particulier qui leur laisse la liberté d'expérimenter et d'apprendre, c'est ça? Oui. And tucked in at the end was the sort of another little point, maybe it doesn't matter, but do you think each child has their own intelligence to find, which is what I feel, or do you think there is this greater intelligence that each child can make contact with if the environment is right, or maybe it doesn't matter? Derry demande, est-ce que tu penses que tous les enfants ont accès à cette intelligence ou pas forcément? Est-ce que cette intelligence, elle est là à chaque enfant? Ça rejoint ma question, excuse-moi Abel, ce que dit Derry, c'est, est-ce qu'ils ont tous cette intelligence ou est-ce qu'ils ont une part qui leur appartient, personnelle? Moi, c'est comme ça que j'entends, hein. So, my answer, this is my answer, you know, that's my experience, you know, c'est mon expérience, c'est ma réponse. Yeah. I have seen, j'ai vu que this intelligence is always there, cette intelligence est toujours là. Et si on regarde de près, and if we look at early things, we can see that. We don't know anything to breathe, on ne fait rien pour respirer. This intelligence is breathing for us. Cette intelligence, elle respire pour nous. This intelligence is making the blood going there and there for us. Cette intelligence, elle fait circuler le sang. This
this intelligence makes that our body is always 37 degrees. Elle fait que notre corps il est toujours à 37 degrés. Cette intelligence, elle nous permet de voir. This intelligence can make us see. She can make us speak. We don't think about how to speak. We speak. We have. We. Elle nous permet de parler. On fait rien pour parler. On profite du fait de parler. Cette intelligence fait. C'est elle qui fait toutes les choses. Cette intelligence, elle fait toutes les connexions entre les neurones et tout ça. On n'a pas besoin de penser à tout ça. This intelligence is always doing a lot of connections between neurons and so on. Many times I have said, if breathing was in the end of our individual intelligence, j'ai souvent raconté que si respirer était entre les mains de notre propre intelligence, we were all dead because forgetting to breathe. On serait tous morts d'avoir oublié de respirer si cette intelligence-là ne travaillait pas pour nous. So my life, my point of view is this intelligence, we are always inside. She is acting so much, you know. Elle agit tellement. Elle nous permet de voir, de sentir, de goûter, de respirer, de penser. This intelligence is giving us the fact to think, you know. We can think because of this intelligence. We don't do anything to think. It is a gift. C'est un cadeau qu'elle nous fait. Elle nous permet de penser. So we can have all these ideas because this intelligence is here. On peut avoir toutes ces idées parce que cette intelligence est là. Elle nous permet de penser, elle nous permet de réfléchir, elle nous permet d'expérimenter des tas de choses. She gives us the way to think, to experiment a lot of things, to create. But she is always there. Without this intelligence, nothing. It's impossible. Impossible to be here alive, impossible to think, impossible to say anything, impossible to create anything. Without this intelligence, sans cette intelligence, impossible de penser, de dire quoi que ce soit, de réfléchir ou de créer quoi que ce soit. So, you know, many times I ask the people, plusieurs fois j'ai demandé aux gens, if you are looking at the infinite little, you know, atoms and so on, j'ai souvent demandé aux gens, si on regarde l'infiniment petit et qu'on regarde tout comment c'est structuré, les atomes, les électrons, atomes, electrons, and a lot, all of these things, how it works. Do you see an intelligence in this? Est-ce que vous voyez une intelligence? And for most of the people, there was an intelligence in the infinite little. Pour la majorité des gens, ils voient une intelligence. Et quand on pose la même question, when we ask the people to look at the infinite big, infinite universe, how stars, galaxies, house of galaxies, and so on, how it works, how the Earth was created from these stars, comment les terres, la Terre a été créée à partir des étoiles, how the stars they comment les étoiles ont produit, they product some elements to that it, and with these elements we can exist, you know. Et avec ces éléments, on peut exister. Sans ces éléments créés par les étoiles, on n'existerait pas. Without these products in the stars, we couldn't exist. So, and when the people they look at the infinite big universe, quand les gens regardent à cet infiniment grand, they always see an intelligence. Ils voient tous une intelligence. And what is funny, that for the people there is intelligence in the little, in the infinite little, there is intelligence in the universe dimension. Ils voient une intelligence dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand, et ils n'arrivent pas à voir. They can't see an intelligence in their life. They can't see this intelligence in their life. And ils peuvent pas voir cette intelligence dans leur vie. Pour les gens, c'est très difficile. Pour la plupart des gens, c'est très difficile de voir que c'est la même intelligence régit nos vies. The same intelligence is conducting our life, you know. All the other relations, how it works, why we are all together now. There is a big intelligence behind all this. Il y a une grande intelligence qui agit derrière tout ça, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes tous ensemble, qui fait qu'aujourd'hui on se parle, on s'écoute. Pourquoi on est là? Moi, je ne le sais pas, mais
il y a une vision, cette intelligence, elle a une vision immense de tout ça, et elle voit tous les liens. She can see all the links and all the destiny of everybody. Et elle voit tous les destins de tout le monde. And nothing is happening par hasard. Comment on dit ça, Dion? Nothing is happening by chance. This intelligence is acting. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Cette intelligence-là, elle sait, mais nous, on ne le sait pas. Mais néanmoins, cette intelligence-là, donc, tout le monde en profite, elle est la même pour tout le monde. And she is the same for everybody, for all the child of this earth and all the universe. For all the being of in all the universe, this intelligence is behind the things, you know. Cette intelligence, elle est derrière toute chose qui existe. Donc, J'aimerais bien dire, there is no child, no adults which is less, qui est moins dans cette intelligence que les autres. Il n'y a personne qui est moins dans cette intelligence que les autres. Nous profitons tous pleinement de cette intelligence extraordinaire. We all profit of this intelligence, is extraordinary intelligence. You know, nobody is excluded. Nobody is less in this intelligence. That's my answer, you know, Daddy. So, but after to learn about this, to learn about this huge intelligence, to learn about, we can call it God. For me, this is God. But for the people, they can call it life, you know, life. Because for some people, God is linked to religion. So it's difficult to link this intelligence and God. But for me, it's the same. But si vous aimez pas ce mot de Dieu, vous pouvez l'appeler la vie, c'est pareil. You can call it life. It's the same with a big L. And there is, we are all in this. So everybody, tout le monde a la possibilité de la rencontrer. Everybody can meet it. And we meet it every day. Et nous la rencontrons tous les jours. The difficulty is to see it. La difficulté, c'est de la voir et d'en avoir conscience, and to be conscientious of it. But she is always there, even if we are not conscientious. Elle est toujours là, même si on n'a pas conscience. Elle est toujours là, même si on ne le sait pas. Et même si on n'y croit pas, elle est toujours là. And even if we don't care in it, and if we don't believe in it, she is here. Always. Oui. D'accord, Abel. Merci bien. So it's possible for all the child to learn it. You know, c'est possible pour tous les enfants de la découvrir, pas de la découvrir, mais de conscientiser. Voilà, savoir qu'elle existe. But not to learn, but to be aware of it. For all the children, it's possible. Que c'est l'amour, cette intelligence? C'est la même chose. Pour moi, c'est pareil. For me, it's the same. It's love, light, intelligence, infinite. Quelque chose. Yes, Christine. Moi, j'ai fait plusieurs stages avec Abel et j'ai l'impression que cette intelligence, elle a une grande complice. Ce serait l'émotion. C'est-à-dire que quand on est en situation de stage, c'est un peu particulier. Je te laisse traduire, Diane. So, I've had quite a few exchanges with Abel, and I feel that this intelligence is that when we're in a workshop, it's quite easy to feel. La dernière chose que tu as dit? Je disais que il me semble que cette intelligence, elle a une complice qui est l'émotion. So that this intelligence has a complicity with emotion. So would be that it works with really well with emotion. Parce que en tout cas, cette émotion, elle est amplifiée par le fait qu'on est en situation de stage et qu'on est un peu cadré. Mais on ne peut pas passer à côté, c'est-à-dire qu'il peut se passer quelque chose, on va devenir tout rouge, ou on va avoir le cœur qui bat, on ne peut pas tricher avec ça.
Et j'ai l'impression que ça nous relie à cette intelligence qui est au-delà du mental dont tu parles, Abel. Mm-hmm. She feels like this emotion is really present in a workshop, and you really feel it. You can become all red, or you can have really physical sensations in the body. And I want to say that Christine has done a lot of clown session with me. Christine, elle a fait beaucoup de sessions de clown avec moi. Et donc, we work a lot with the emotion of the clown. Et on travaille beaucoup avec l'émotion du clown, bien sûr. Moi, la façon que j'ai de comprendre ça, my way to understand this is emotion is a way of expression of this intelligence. L'émotion est un chemin d'expression de cette intelligence. Rien de plus, rien de moins. Nothing more, nothing less, you know. There is many ways for this intelligence to express in the life, and il y a beaucoup de chemins pour cette intelligence de s'exprimer. Emotion c'est seulement un des chemins. L'émotion est un des chemins, mais il y en a plein d'autres. But there is a lot of others. Peut-être que c'est ça marche. Oui, peut-être que c'est un des chemins, mais je trouve que c'est un chemin assez privilégié parce que ça permet d'être relié au corps. Et comme ça, on est beaucoup moins dans la tête. Oui. And she said that the emotion is important because it's linked to the body, and so we are less in the mind. For the clown, it's precious. Pour le clown, c'est précieux. Oui. That's why she's saying this. Mais parfois dans la vie, les émotions, elles nous emmènent sur des chemins, pas toujours les meilleurs, quoi. Hein, c'est les deux envers, les deux côtés de la pièce, comme on dit. Dominique is saying that. Abel. Wait. Dominique is saying that sometimes emotion guide you to some place which are not very well. I don't know. Who was speaking? Du coup, ça évite de tricher, je trouve. C'est plus... Tant pis, on assume l'émotion, ça évite de tricher. Just, I heard about Lakshman, you know. Lakshman, he was calling me. Because it is 7, c'est 7 heures. Lakshman, j'ai entendu Lakshman m'appeler, c'est 7 heures. And now, there is another... It's a time of closing session, you know. C'est le temps de la session de clôture. Yeah. Alors, can you hear us, Abel? Yes. Okay, on va s'arrêter là, si vous le voulez bien. Si vous voulez poser des questions, vous les mettez dans le chat, vous mettez votre email. If you want to ask me something, you put it in the chat with your email, and I will take it and I can answer you. Je pourrais merci, vous... Abel. But now, maintenant, merci beaucoup de votre présence à tous. Merci. Thank you for the presence to everybody and to, merci. To give me the possibility of sharing this and de me donner la possibilité de partager cela. And now it's time for closing session. Now, maintenant, c'est le temps de la session de clôture. Dion, can you stay with us? Yes. For the closing session? Yes. Okay. So. C'était pas prévu. Ça, mais to what time? I might need to take a small break. Until 9, yeah? Thank you. Okay. So, Adam, shall we start? Veda, if we can, sometimes we can use also French and English.